ils osent résister. Nous osons. Parce qu'ils ont chez eux l'homme des trahisons, ils pensent nous trouver abattus. Bête brute. Mais ce coup décisif et fatal que vos cris nous portez s'est tourné contre vous, justement. Décapité d'un roi, le bon peuple allemand peut se croire perdu, crier miséricorde et tendre un coup d'œil les soumis à la corde. Ils ne comprennent pas que la rébellion souffle en chaque poitrine une âme de lion. Ils ne peuvent foirer dans leur cervelle obtuse qu'on puisse mettre en jeu ces grands moyens dont use un peuple qui défend ses droits et son foyer. Ils s'étonnent de voir notre main déployée, l'étendard rayonnant des libertés publiques. Ce sont de braves gens froids et mélancoliques qu'un regard du roi change en féroce toutou. Ah. Nous vous renverrons dans votre chenil, tous, les badois, ces croupiers, les gens de la Bavière, les Prussiens tendant les chiens à l'île rivière, et si cela vous plaît, vous ferez un grand-duc de ce Napoléon sanguinaire et caduque, tout prêt à déposer sa risible épaulette pour tenir le râteau teuton de la roulette. »